Écoutez, déjà 2022 est une bonne année. On va continuer dans la même lancée, c'est-à-dire notre programme de développement, ouvrir sur tous les formats, que ce soit Carrefour Market, Carrefour ou Atacadão. Nous comptons même accélérer ce développement, ouvrir une trentaine de magasins. Ensuite, on va poursuivre avec notre plan de transformation digitale qu'on a entamé depuis 2 années. On va continuer sur cette lancée. Et enfin, nous comptons encore une fois mettre un dispositif anti-inflation dans ces conjonctures très compliquées pour notre client, lui donner du pouvoir d'achat. Donc, ce qu'on a déjà fait en 2022, on va le continuer, même l'amplifier sur l'année 2023. Là, on est très très satisfait des résultats de l'exercice 2022. On a connu une belle hausse de notre chiffre d'affaires, à peu près 18% de progression et 2 milliards d'augmentation de nos volumes. Une hausse assez intéressante aussi de nos résultats courants qui ont progressé de 20% pour arriver à 770 millions de dirhams. On est d'autant plus satisfait que l'année 2022 a connu un contexte très particulier, un contexte inflationniste dans lequel le groupe a réussi à déployer une stratégie commerciale qui consistait à réduire au maximum l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages et aussi leur assurer la plus grande disponibilité des produits. Et donc c'est avec une grande fierté, un grand sens des responsabilités que le groupe a pu déployer une stratégie commerciale qui a pu lui permettre de réaliser de bons résultats, mais qui a permis aussi, surtout, d'apporter du pouvoir d'achat aux concitoyens et à ses clients. En 2022, le groupe a aussi réussi à ouvrir 19 nouveaux magasins, portant le nombre total des magasins du réseau à 155 points de vente, couvrant 23 villes du royaume. Une expansion aussi qui a pu nous permettre de créer 1 000 emplois directs nouveaux et qui a nécessité un investissement d'un milliard de dirhams. Autre point de satisfaction, c'est les résultats financiers, un résultat financier positif qu'a connu le groupe aussi en 2022, puisque le résultat financier s'est élevé à plus de 17 millions de dirhams, ce qui témoigne de la bonne stratégie de financement qui a été déployée par le groupe et qui consiste à séparer l'activité de distribution de l'activité foncière et immobilière, une stratégie qui permet de renforcer nos équilibres financiers, puisque le taux d'endettement aujourd'hui ne dépasse pas les 50% du total des financements permanents, mais qui permet aussi d'apporter du résultat en termes de résultats financiers. Tout ça a été matérialisé par la création en 2022 d'un OPCI dénommé Teramis, un OPCI qui a permis d'apporter les biens initialement dans le bilan de la Belleville à cet OPCI Teramis, qui a permis de réaliser au passage une plus-value de 245 millions de dirhams et de distribuer un dividende exceptionnel de 200 millions de dirhams.